Voici une tâche du domaine des probabilités. Nous jouons au loto belge, c'est-à-dire on tire 6 boules parmi 45 boules. Question, avec quelle probabilité a-t-on marqué au loto belge les 6 bons nombres ou les 4 bons nombres? La probabilité d'avoir coché les 6 bons nombres se calcule bien sûr par le nombre de cas favorables, c'est-à-dire 1, divisé par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire le nombre de combinaisons des 45 boules prises 6 à 6. Ici, il suffit d'appliquer la formule du nombre de combinaisons. Cette fraction mène vers cette fraction-là et donne comme réponse 0,000012%. La probabilité d'avoir coché les 4 bons nombres se calcule par le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables se calcule par le nombre de combinaisons des 6 bons numéros pris 4 à 4, puisque on cherche la probabilité d'avoir les 4 bons, fois le nombre de combinaisons des 39 autres et mauvais numéros pris 2 à 2. On s'imagine cela le long d'une arborescence, ce qui mène de suite vers l'idée qu'il faut multiplier ces nombres de possibilités. Et puis on divise ce nombre de cas favorables par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire le nombre de combinaisons de 45 boules prises 6 à 6. Ensuite, on applique les formules de ces nombres de combinaisons, ce qui mène alors vers cette fraction-là, qui vaut à peu près 0,14%. Et voilà, la tâche est déjà terminée.